tous devant France 2 ce soir à 23h. L'émission Tout compte fait en deuxième partie de soirée sur France 2. Hello! Alors, ouais, bah, je reviens de course. Pourquoi? Parce que mon ex-mari, je devais déposer un colis à Vinted en voiture parce que je ne peux pas marcher. Et là, franchement, j'ai mal. Mais c'est comme ça. C'est pas grave. Donc, du coup, j'ai été faire des courses. J'en ai profité en voiture. Alors, du coup, j'ai été à Auchan. Je cherchais un relais colis pour déposer mon colis. Franchement, on a fait des kilomètres pour le relais colis. C'est un truc de fou. Parce qu'en fait, ils disent qu'ils font, mais ils font pas. Et en fait, ça y est, j'ai trouvé à côté de chez moi. Ouf. Alors, j'ai pris des petites salades. Ça, c'est Auchan. Il y a Auchan et Carrefour. Hein. J'ai pris des petites salades 1 €. Franchement, pas déçue du tout. J'adore ces petites sucrines. Ça se garde pas mal de temps. Voilà, j'en ai 4. J'ai pris pour 2,95 €. Ah ouais, c'était 2,99 € avant ou 1,99 €, je sais plus. J'ai pris des religieuses au chocolat. J'en prends tout le temps, mais j'ai l'impression qu'elles étaient à 1,99 € avant. Que là, elles sont à 3. Je sais pas. Faudrait que je regarde sur mes anciennes vidéos. 2,99 €. 2,95 €. Et franchement, j'adore les religieuses au chocolat. Alors, ouais, j'ai mangé énormément de desserts. Et en plus, mon ex-mari a oublié de me donner les fruits. Je crois qu'il va péter une burrite. Ouais, il a oublié de me donner tous les fruits. On a acheté des fruits et il a oublié de me les donner. Qu'est-ce que c'est que ce beans ? C'est pas grave. Alors, on a acheté des fraises au marché. N'importe quoi, on a acheté des cerises au marché, des brugnons. Enfin, lui, moi, je ne peux pas aller au marché. Des brugnons, du melon et quoi d'autre. Et des pêches plates. Il en a eu pour 6 € le tout. Pas cher, hein. Là, j'ai des abricots morceaux moelleux. Je les ai payés 1,99 €. Voilà, le soir, j'aime bien manger ça. Le soir, je grignote beaucoup. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, dans la nuit, je mange beaucoup, hein. Une mangue, 1,80 €, franchement, ou 1,45 €, je ne sais plus trop. C'est bien la première fois que je n'ai pas contrôlé les prix, vraiment. Bah, j'adore. Je ne peux pas faire plus, hein, j'adore. Alors après, Mamie Nova. Alors là, je n'ai pas commandé la Belle Vie, parce que j'en ai profité. Hein. 1,29 € au lieu d'un 35 à la Belle Vie, mais bon, franchement, il n'y a pas beaucoup de différence. Mandarine citron vert, j'adore. J'adore. J'ai trouvé pêche morceau généreux. Franchement, ben, pareil, hein, j'en mange 2. Ça ne va pas me durer longtemps, hein, je vous assure. Hein. Vous savez, quand vous voyez tous les desserts que j'achète, hein, ça ne me fait même pas la semaine. Hein. Alors là, j'ai pris. Alors là, par contre, il faut que je le mange vite, jusqu'au 10 juillet. Mais c'est une tuerie, je vous le recommande à 100 000%. Je l'ai payé 1,99 €. Franchement, c'est le président. Il est délicieux, délicieux, délicieux. Je l'adore. Il n'y en avait plus qu'un. Il est extra fondant. Si vous le trouvez, mais prenez-le. Il est trop bon. Alaska. Ah bah d'accord. Je viens... Alors ça, j'adore. C'est une salade avec du surimi, avec de l'ananas et quoi d'autre, et des carottes. J'adore ça. J'adore, j'adore. Il faut savoir que j'ai acheté... je l'ai payé 1,80 €. Il faut savoir que j'ai acheté beaucoup de salades. Alors là, je reprends. C'est tout nouveau. Je crois que c'est Lily qui m'avait envoyé ça. Je crois qu'elle avait acheté. Yaourt gourmand fraise. Ah, c'est pas celui-là. Fraise. Allez, je me dis, c'est bon, puisque ça me donne des boutons. Au moins, yaourt, ça ne me donnera pas de boutons. 1,29 €. 1,29 €. Yaourt gourmand litchi rose. C'est celui-là que Lily m'avait envoyé. Lily rose. Et franchement, je les ai trouvés trop bien. Ensuite... Ensuite, c'est vrai que vous allez vous dire, ouais, Sybille, elle n'arrête pas de faire des courses. Petite choupinette, elle est là. La petite mini. Voilà, ensuite. C'est nouveau, je ne connaissais pas. J'ai payé ça 2,10 €. C'est des escargots brownies. Je ne connais pas. Brownies par deux. Enfin, ça aussi, je mangeais énormément de conneries comme ça.
Ça, je l'ai acheté à Carrefour Contact. J'ai payé ça 1 euro les 10. C'est très bien pour se faire une petite salade dedans. C'est parfait. J'ai pris de la confiture abricot. Je l'ai payé 1,49 € de chez Carrefour ou 1,29 € je sais plus de chez Carrefour. Franchement, ben moi j'aime bien la confiture d'abricot. Je voulais abricot pêche de vigne, mais j'ai pas trouvé. Je peux pas aller partout. Ouais. Je suis pas fatiguée, c'est parce que je suis pas maquillée. Voilà. Oh, alors là, j'ai craqué. Ça, c'est à Carrefour, hein. Mais je m'en fous. J'ai payé cher. 3,50 € les Kit Kat. Mais alors, qu'est-ce que c'est bon? C'est sûr que j'aurais été à Action. Je voulais aller à Action pour acheter quelques trucs que j'ai absolument besoin. J'ai plus de couverts. J'ai plus de brosses adhésives. Mais franchement, avec mon pied, là, c'est pas possible. Pour l'instant, c'est pas possible. Donc voilà, je vous dis, si je vais à Action, c'est acheter utile. Des éponges. J'ai des choses comme ça à acheter. Et puis. D'abord, on a le droit de changer d'avis, hein. Mais non. Je vais pas. Voilà. Mais bon, j'irai quand même, mais pas comme avant. Hein. Mais je vais quand même y aller parce que ça fait un petit moment que je n'ai pas été. J'ai besoin de brosses adhésives, 75 centimes les 4. Franchement, on va trouver ça nulle part ailleurs. Les sacs poubelles, 1,59 € à la lavande. C'est Royal Bar. Les éponges, c'est pas cher du tout. Les couverts, je vais voir parce que sinon j'irai chez Jiffy parce qu'il faut que j'achète des couverts. Je les ai cassés. En fait, ils n'ont pas tenu quoi. Le manche, il était en verre fluo et il se barre. Voilà, donc ça, c'est des Kit Kat, 3,50 €. Alors, ils ont changé le packaging. Cacao approvisionné durablement. Apparemment, c'est beaucoup très fort en cacao. J'ai cassé, j'ai Kit Kat. J'ai le cœur brisé, j'ai Kit Kat, c'est ça? A break, break. Ensuite. J'ai pris 1,89 €. J'en ai pris deux. Voilà. Et j'ai pris. Ah, les Mamie Nova, je ne les connaissais pas, ceux-là. Ananas Passion. Alors, pourquoi je peux faire comme ça? Parce que je suis toute seule. Donc, je prends deux et je fais une variété. Ça me fait 2, 4, 6, 8. Ça m'en fait. Voilà. Ça me fait ça. Alors, ça fait 1, 2, 3, 4. C'est sûr que ça fait un peu plus cher. Mais voilà, je me dis, après, je pourrais plus. Et là, je sais qu'elle aime bien aussi les terrines pour chat. Alors, depuis que je suis partie en course, on la voit pas. Je ne sais pas où elle est. Et là, j'ai pris. Heureusement, parce qu'il a oublié les fruits. Heureusement que j'ai des abricots. Je me suis pris des abricots. J'en ai eu pour 1,93 €. Ensuite. Un paquet. Ensuite, j'ai pris de la salade de poulet à 3,30 €, crudité poulet, fromage, ail et fines herbes. Une salade. Sodebo. J'ai pris une salade fromagère chèvre emmental mimolette au vinaigre de balsamique. Voilà, et bien ça, je vais me la manger. Peut-être ce midi parce que j'ai pas mangé encore. Non, pourquoi il est gonflé celui-là? Oh, j'aime pas quand c'est gonflé. Il est gonflé. C'est pas bon quand c'est gonflé. C'est celui-là que je vais manger ce midi. Attendez. Non, ça va. Regardez. Voilà, il y a la sauce. Voilà, le jambon, les petits croutons. Il y a quoi dedans? Il y a du jambon. Vous savez que si vous enlevez la salade, eh ben, il n'y a plus grand-chose. Si vous enlevez la salade, il n'y a plus grand-chose. Je l'ai payé 2,29 €. La feignasse de chez Feignasse, 2,45 € de la pastèque déjà découpée. Feignasse de chez Feignasse, ça je vais le manger ce soir midi. Ça, c'est mon ex-mari qui m'a dit, va à Carrefour, comme on était à Carrefour, il y a Auchan, là c'était Auchan, là maintenant c'est Carrefour. Il m'a dit, prends ça, c'est délicieux, c'est des courgettes à la provençale. Alors je lui ai dit, ouais, je sais, attendez. J'ai mon ex-mari qui vient de m'appeler et de me dire, j'ai oublié les fruits. Je lui ai dit, oui, je sais, c'est pour ça que j'ai acheté des abricots. Il m'a dit, non, je repasse tout à l'heure te les apporter. Franchement, il n'y a pas plus gentil que lui, mais vraiment, il est vraiment adorable. Et c'est que du bonheur. Là. Voilà. Ensuite, des champipis. 1 €. Comme je vous ai dit, je les mange en salade.
en vinaigrette. J'adore. Je les déteste cuits. Je me suis pris une petite salade, la marque Auchan, lasagne de saumon. Je me dis, ça doit être saumon, saumon frais et saumon fumé. Je vois que ça. Je vois. Franchement, ça a l'air sympa. 1,89€. Franchement, 1,89€. Hein. Là, j'ai pris les tomates farcies riz à la tomate. Ben, franchement, je les aime beaucoup. De chez Marie, je les ai payées 3,29€. J'ai repris pour ma petite pupus, ça je sais pas combien j'ai payé, 80 centimes, je sais pas. 80 centimes, je pense. Ouais, j'ai le ticket, hein. Mais bon, je vais pas vous embêter avec le ticket. Hein. C'est marrant, j'ai l'impression que c'était 1,99€ avant les religieux. Je sais pas, il y a un doute. 10 sachets de bananes. Sachets de bananes. 99 centimes. En plus, quand il va aller à Lidl, il m'emmènera à Lidl. Donc, je vais faire des sacrées économies. Pommes de terre online. 1€. Et vous ne direz jamais ce que j'ai trouvé. Je croyais qu'il y avait qu'un roucoulon. Il y avait qu'un la belle vie qu'on en trouvait. Du roucoulon. 2,19€. C'est bien. Et... Ah ouais, ça j'ai pris. Parce que, comme je vous ai dit, je déteste les bestioles. Alors, action rapide, efficacité prouvée. J'ai payé 4,10€. Multi-rampant. 4,10€. Alors, c'est pour tous les bestioles qui... Cafards, fourmis, poissons d'argent. Enfin, les trucs qu'on n'arrive pas à avoir. Avec ça, c'est radical. Voilà. Et je fais attention à Ivy. Et de la vinaigrette que j'ai payée 2,20€. 2,20€, je crois. Voilà. Ben, voilà toutes mes courses que j'ai prises. Je vais manger. Je vous fais plein de bisous. Alors, j'ai eu un message d'une personne. Je ne la nommerai pas. Mais cette fois-ci, je l'ai bloquée. Parce que la dernière fois, elle me dit « c'est pas moi qui ai écrit ça ». Je me suis trompée. C'est pas moi qui l'ai écrit. Et puis là, elle m'a encore écrit quelque chose de désagréable. Alors cette fois-ci, désolée, je l'ai bannie parce que j'en ai marre. Ça va 5 minutes, mais c'est bon quoi. Les mauvais commentaires, j'en ai un peu marre. Oui, t'es nulle. Mais non, en fait, c'est pas à toi que je voulais dire ça. C'était pas pour toi le message, non. Et là, par contre, bon bref. Donc, je n'aimerais pas la personne, mais je l'ai bloquée. Voilà. Désolée, si tu m'écoutes, je suis désolée, mais moi, on ne fait pas yo-yo. Un jour, tu dis ça, le lendemain, tu dis autre chose. Après, tu dis que c'est pas toi qui l'as dit. C'est peut-être pas toi qui l'as dit, c'est peut-être quelqu'un qui a piraté ton compte. Mais moi, je ne prends aucun risque. Et voilà, comme j'ai dit, s'il y a quoi que ce soit, je bloque et je bannis. Tiens, juste une petite aparté. Si un jour, vous voulez que je vous fasse une vidéo, genre que je défile avec toutes mes affaires d'été, il y en a pour 10 plombes, mais je pourrais le faire. Il faut que je demande à mon fils qu'il me sorte les caissons d'été parce que je ne les ai pas sortis encore. Sur ce, je vous embrasse très fort, je vous fais plein de bisous, je vous dis I love you, wish you body, je te quiero, ti amo. Je suis allée aussi, j'ai trouvé la robe de mes rêves. Ouais, parce que j'ai eu ma nièce hier. Mais bref, je vous raconterai. Allez, bisous, ciao, bye. Abonnez-vous, likez, partagez, commentez.